Bonjour les amis, alors deux grandes nouvelles. La première, Jean-Marie Dessin et peut-être une autre surprise vont répondre à toutes les questions innombrables, il faut bien le dire, que je reçois sous les commentaires et par email. Et il nous est impossible de répondre à tout le monde, hélas. Alors, en plus de ça, vous connaissez tous maintenant Fred Evrard et ce dernier, demain les amis, à 14h, c'est-à-dire mardi, 14h, en ma présence, nous allons tous les deux répondre là aussi à toutes les questions que vous vous posez. Nous ne sommes pas médecins, je tiens à le préciser, vous le savez, et donc ne nous copiez pas sans l'autorisation de votre propre médecin. Dernière nouvelle concerne donc les résultats de notre étude. Alors notre ami Eric Berg l'a expliqué extrêmement précisément en anglais sur son site. Je vous mettrai le lien dessous. Par contre, je tiens à préciser quelque chose sur ce qu'on appelle le problème que certains se posent, à savoir pourquoi est-ce que la tumeur réduit, si on prend 100% avec la chimio de référence, le cisplatine, extrêmement destructive, et pourquoi nous n'avons que 70% de réduction de la tumeur? Eh bien, c'est tout simplement, comme ce schéma vous l'indique, que notre système naturel ne tue pas nos défenses immunitaires, à savoir les macrophages. Et les macrophages restent vivantes, ce qui fait que vous avez une tumeur avec du système immunitaire, si je peux parler comme ça, les macrophages qui ne sont pas morts. Dans l'autre cas, vous avez absolument tout tué, à savoir votre système immunitaire en même temps que les cellules cancéreuses. Donc oui, c'est un très gros avantage d'utiliser nos 5 essentiels plutôt que d'utiliser le cisplatine. En plus, de cette manière, nous n'avons pas d'effet secondaire. Alors, précision, je le répète, une étude a été faite, a été publiée dans un journal japonais. Ça paraît normal pour un samouraï. Les chiffres, les dessins, les schémas que notre partenaire Maurice Israël nous a fait pour expliquer tout ceci. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.